vous invite à reprendre le place. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième partie de la cérémonie. Il s'agira d'un défilé, de notre défilé traditionnel, dont l'ordre de défilement se présente comme suit. L'École nationale de police défilera en première position. Nous aurons droit à un petit show de karaté et de kata. Ce sont des rudiments des arts martiaux qui sont enseignés aux cadets. En cette enceinte. Ensuite, défilera la police communautaire, le service des violences basées sur le genre, la patrouille à vélo de l'aéroport, l'inspection générale, la direction de la circulation et de la police routière, le corps de brigade. La police, je vous laisse attention, mesdames et messieurs. À l'occasion, je vous invite à applaudir. Thank you.
Vous comprendrez, mesdames et messieurs, que vous venez d'assister à l'expression de ce qui se déroule à l'école nationale de Paris. C'est de ça que c'est leur quotidien. Le feu d'arts martiaux, des arts martiaux va dérouler sous vos yeux. Je vous laisse apprécier. Après cette démonstration, la police communautaire défilera. Thank you.
Voilà, c'était la démonstration de l'école nationale de Nous montré Nous allons maintenant assister au défilé de la police communautaire. Cette police qui diffère de la police classique et dont l'histoire remonte dans les années 60. Puis à Port-au-Prince, la police communautaire a démarré en 2011. Question de trouver une autre approche entre la police et sa communauté. Elle a été pour la première fois déployée à Delma et a bénéficié du support de la police de New York, de la MINUSTAH. Elle comporte l'EDUPOL, l'unité qui se charge de réguler ou bien de régulariser la violence en milieu scolaire. Elle comporte également une section sportive. Tout de suite après le SVBG, service de la violence basé sur le genre. Commandé par le commissaire, par la commissaire divisionnaire Marie-Louise Gauthier. Cette unité est implantée dans beaucoup de commissariats de l'aire métropolitaine. Et essaie de répondre efficacement aux violences que subissent particulièrement les femmes dans nos villes et contrées. Tout de suite après l'unité sur les violences basées sur le genre,
La patrouille à vélo de l'aéroport va défiler. C'est une unité dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait un travail extraordinaire sur l'axe routier qui mène vers l'aéroport de Mahigaté. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir la police communautaire qui fait un énorme travail d'encadrement au sein du milieu scolaire. Après l'équipe à vélo de l'aéroport, l'inspection générale, qui se passe de présentation, mais de laquelle je dirais quand même qu'il s'agit d'une structure d'enquête et d'inspection de la PNH, défilera. Tout de suite après, en sixième position, la direction de la circulation de la police routière, emmenée par le commissaire divisionnaire du Carmel, défilera par devant vous. Il est à remarquer que cette police routière intensifie sa présence sur nos axes routiers et nos routes nationales et calme particulièrement les velléités des conducteurs imprudents. Et qui mettent en danger la vie des usagers de la route. Vous allez voir qu'ils ont une habileté particulière à manœuvrer les motocyclettes. Lutter contre les violences basées sur les gens. Coordination des affaires féminines dirigée par le commissaire visionnaire Marie-Louise Détier. Patrouille à vélo de l'aéroport international de Mahigaté. Voilà, ici s'amène le commissaire du Carmel à la tête de sa direction et de ses motards. Je vous demande d'applaudir le commissaire du Carmel qui a également servi dans l'armée et qui prête de très bons et loyaux services à la police nationale. Le corps de la brigade. Non. La brigade d'intervention motorisée en 7e position va procéder à un numéro que vous aurez la possibilité d'apprécier, mais avant. Nous voyons s'amener les véhicules de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, disons le bureau. C'est un des bureaux de la direction centrale de la police judiciaire. Voilà. Cette unité a été créée en 2017 et avait pour mission de se rapprocher de la population, mais surtout à progresser en relief accidenté. C'est pourquoi ils ont développé une certaine habileté avec cette chair.
L'abîme a aussi préparé une interpellation d'un individu armé qui cherche à agresser un policier. Il sera maîtrisé par une technique appelée ramassement des jambes, puis menotté et conduit en lieu sûr. Numéro assez désopilant s'il en est. Après le menottage, défilera la police. Cette unité créée pour supporter le ministère du tourisme . Il est bien de rappeler qu'après le menottage, on doit procéder à la palpation pour s'assurer que l'individu n'était pas armé. Capolito, mesdames et messieurs, font un travail formidable dans le domaine de la sécurisation des étrangers, des sites touristiques, et est d'un apport inestimable dans le travail du ministère du Tourisme. La direction centrale de la police judiciaire défile à travers son unité canine du bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade anticriminalité, le bureau de la police scientifique et technique et la BRI, qui est l'unité d'intervention et de recherche de la direction centrale de la police judiciaire. Après la direction centrale de la police judiciaire, les gardes-côtes, mesdames et messieurs. Les canines sont chargés avec les chiens, de détecter les produits stupéfiants, notamment sur les frontières et à l'aéroport. La police technique et scientifique sont chargées de relever les indices sur les lieux du crime et ramener au laboratoire pour faire le lien et déterminer les causes des incidents, s'agisse de homicides, de tirs ou de traces de sang, ce dont s'occupe la section de la toxicologie. Le buty, les gardes-côtes. Alors, les gardes-côtes sont traqués par une autre unité. Le buty, c'est l'unité qui se charge de nos antennes, de la transmission radio de la PNH à travers tout le pays. Les gardes-côtes se passent de présentation. Depuis tantôt deux ou trois ans, ils travaillent en collaboration sur les mers avec la BLTS pour combattre la criminalité transnationale organisé. Un autre numéro. Où la PNH intervient sur une violence faite aux femmes.
le même scénario que tout à l'heure, mais cette fois fait avec une unité spécialisée de lutte. Voilà. Alors, l'arrestation est effectuée par l'UDMO, l'unité départementale de médecins d'ordre, qui sont davantage spécialisés dans le rétablissement de l'ordre et les services d'ordre, mais à l'occasion, ils procèdent aussi à certaines arrestations, surtout lorsque la police administrative manque de bras. Cette unité compte aujourd'hui environ un millier de policiers. Ensuite, après la UDMO, je file la BOI, brigade d'opération et d'intervention départementale. Ils vont sans doute procéder à un numéro. Cette unité sert de support au commissariat et sous-commissariat de la zone métropolitaine. Après la démonstration de la BOI, la Polifront, unité de police frontalière, s'est déployée cette année même. C'est une unité qui sert de support aux différentes entités de l'État, comme la douane, l'immigration. Elle dispose d'un ensemble de matériel plus ou moins modernes, notamment les drones, qui les aident à couvrir ce qu'ils ne peuvent faire en présentiel. Mis à part nos quatre points officiels, cette unité se sert des drones pour parcourir les 76 autres points qui ne sont pas officiels, mais qui sont quand même empruntés par les trafiquants et les contrebandiers. Il s'agit d'un instrument très important dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La drogue, la contrebande, la traite et le trafic, les personnes et des enfants en particulier. Le garage de la BNH sur cette unité repose toutes les défectuosités de nos véhicules, se débrouille tant bien que mal pour nous garder opérationnels. Je vous invite à observer les drones, dont la manipulation aujourd'hui s'étend à presque toute la BNH. L'unité de drones de la Polifront travaille de concert avec la coordination des directions départementales. La particularité de ces engins-là, c'est de permettre en temps réel, à un poste de commandement, même sans se déplacer, de savoir ce qui se passe sur le terrain. À l'occasion, une dépêche de patrouille pour intervenir sur des zones non couvertes, mais qui pourraient présenter un danger
pour la sécurité des vies et des biens. Le SWAT, mesdames et messieurs, va procéder à un numéro que je vous laisse apprécier. C'est notre unité d'élite de la PNH. C'est en quelque sorte notre dernier recours en matière de hostilité. Sont spécialisés dans les pénétrations dans les milieux hostiles. Des grenades assourdissantes qui servent à déstabiliser. Et là, ils vont procéder à l'extraction d'un individu en milieu hostile. C'est en quelque sorte de l'un des leurs qui aurait été touché lors d'une opération. Opération hautement sécurisée. C'est ce qu'on appelle une extraction en milieu hostile. Je vous invite à les applaudir. Je crois que c'est l'avant-dernier numéro du défilé. La CIMO, mesdames et messieurs. Tout de suite après le SWAT, la CIMO. Un numéro et un défilé. On connaît la tâche quotidienne du corps d'intervention et de maintien d'ordre. Mais là, ils vont nous gratifier d'un numéro assez spécial. Remercions le contrôle de la police de partager son effort avec nous en ce moment. La démonstration du corps d'intervention et de maintien de l'ordre. Ils sont en train de faire la mise en place maintenant. Petite mise en contexte entre temps. Nous allons vous transporter dans une situation qui se déroule actuellement à la SONAPI, où des employés sont en train de manifester pour l'augmentation du salaire minimum. Une délégation va être dépêchée à la SONAPI, avec à sa tête le ministre des Affaires sociales et du travail. Qui va rencontrer les membres du syndicat en vue de négocier sur la modalité d'accord. Les manifestations sont là. Les manifestations sont en train de se voir les délégués. En plus de leur représentation dans les communications du salaire minimum. Parce que c'est béton. Entre temps, le DCPA a appelé le commandant du Simon pour dépêcher une équipe de place. La structure que vous voyez là, c'est en fait le bureau du directeur.
question très acclamée comme toujours. Le corps d'intervention du ministre de l'Ordre qui est déjà sur le lieu, qui s'amène, qui met au dispositif. Nous voyons que le ministre des Affaires sociales et les membres du syndicat sont à l'intérieur du gouvernement du négociant. L'intervention du Sénat pour repousser les manifestants. Comme d'habitude, des serviteurs, ils progressent avec un manifestant. Nous pouvons progresser en séquence en vue de couvrir la manifestation. Entretien, l'intervention est en train de se faire à l'intérieur du bureau. On est en main pour extraire le ministre. Ils sont en train d'extraire le ministre et le directeur. La manifestation est à terminer. La situation se trouve. Le ministre est en train d'accueillir. Nous voyons. Ils vont le mettre dans le véhicule de l'étranger en vue de transporter ailleurs. Donc, je suis en conscience. Les officiers sont convoqués pour être transportés ailleurs. Les manifestants qui ont été à l'intérieur du bureau au Nougat sont attendus. Voilà, c'est un mesure. Les officiers sont occupés de la zone et les agresseurs sont arrêtés. C'est à fin de. Merci, madame, monsieur. Je vous passe au micro de votre parole. Voilà, mesdames et messieurs, nous terminons le show par l'intervention de l'ASMI, le numéro que j'espère vous a plu. À présent, nous allons clôturer la cérémonie. Et la police n'a qu'à vous féliciter d'avoir participé aujourd'hui à son 23e anniversaire que nous avons espéré fêter grandement. Et mais avant le départ des officiels, je vous invite et j'invite la fanfare du palais national à terminer la cérémonie par les honneurs présidentiels au président de la République.
Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour les honneurs présidentiels. Qui met un terme à la cérémonie du jour. Le directeur général va conduire ses invités, accompagner ses invités à un buffet préparé à l'intention de toutes les autorités ici présentes et tous les amis de la PNH qui nous ont assistés. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, nous t'absuivons en direct de l'École nationale de police là, sous frère, cérémonie qui a marqué 23 l'année, institution policière là, et une cérémonie qui déroulait en présence président républicain Jovenel Moïse, première dame républicaine Martine Moïse, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, membre d'un cabinet ministériel là, très certainement directeur général de la police là. Et là, nous avons la possibilité de suivre en direct l'intervention. Dans le premier temps, DGPNH, dans le deuxième temps, c'était ministre Justice et Sécurité publique, M. Jean-Oudi Ali. Et c'est après le président Jovenel Moïse qui a refermé la série intervention. Et après l'intervention, c'était défilé diverses unités dans la police là et ont été présenté numéro PAI. Merci en pile parce que tu as suivi nous. Restez sous Télévision Nationale d'Haïti pour cette programmation. Studio Pral capable de continuer et permettre à nous vivre différents éléments que tu as planifiés pour programmation jeudi. Bon après-midi tout le monde.